Salut, c'est Thomas, Français Immersion TV. Dans cette vidéo, on va voir 22 astuces pour parler comme un Français. Parler comme un Français. Un mot qu'on entend souvent, c'est ouais. Par exemple, quoi? Tu veux de la bolognaise toute faite? Ben ouais. Dans le langage parlé, dans une conversation, on dit souvent ouais à la place de oui. Ben, ça veut dire bien, pas dans le sens bien, non, mais plutôt dans le sens, eh bien, oui. On peut dire, eh ben, oui, ben, ouais, ben, non. Vise un peu. En 1 minute 30, c'est prêt. Sérieux? Et t'es au courant que c'est plein de conservateurs, ce truc-là? Eh ben non, justement, il n'y en a pas. Vise, ça vient du verbe viser. Viser, ça signifie regarder attentivement, comme un chasseur. L'expression vise un peu signifie regarde là. Tu as vu? Sérieux? C'est une expression qui veut dire vraiment? C'est vrai? Sérieux? Vraiment? Et tu es au courant que c'est plein de conservateurs? Ce truc-là? Ce truc? Truc, c'est un objet, une chose. Quand on ne sait pas le nom d'un objet ou d'une chose, on dit un truc. Par exemple, j'ai besoin d'un truc pour couper cette feuille. J'ai utilisé le mot truc à la place du mot ciseau. Truc, un truc, s'utilise aussi quand on n'aime pas quelque chose, quand on méprise, on déteste quelque chose et on n'a pas envie de dire le mot de l'objet. Par exemple, Max, il voit le paquet de spaghettis bolognaise, mais il n'a pas envie de manger des spaghettis bolognaise de ce paquet. Alors il dit ce truc-là, il méprise cet objet, ce paquet. Eh ben non, justement, il n'y en a pas. Eh ben non, c'est comme, ben ouais, c'est beaucoup utilisé dans le langage parlé. Il n'y en a pas, ça signifie il n'y en a pas. Mais dans le langage parlé, on élimine le il et le n apostrophe. Il n'y en a pas. On continue l'histoire de Max et Lily. Non, mais laisse tomber, j'en mangerai pas de ta bouffe-là. Ah bon? Et on mange quoi alors? Non, mais laisse tomber. Ou
ça vient de laisser tomber. C'est une expression qui veut dire abandonner, arrêter, ne pas insister. J'en mangerai pas, c'est une négation. Et normalement, on dit je n'en mangerai pas. Mais comme c'est du langage parlé, on n'utilise pas le ne ou n apostrophe. On utilise juste pas. J'en mangerai pas. J'en mangerai pas de ta bouffe là. La bouffe, ça signifie nourriture. Mais attention, c'est un mot familier. La bouffe. Ce mot-là signifie aussi nourriture de mauvaise qualité. Comme par exemple, ce sachet de spaghetti bolognaise tout prêt. Ou aussi, la nourriture industrielle ou la nourriture provenant des fast-food. D'ailleurs, il y a un mot pour ça, c'est la malbouffe. Ah bon? Et on mange quoi alors? Ah bon? C'est une expression qui est très utilisée dans le langage parlé, comme ah ouais, ah bon, vraiment, pour montrer qu'on est étonné. Un autre point important pour parler comme un français, c'est l'utilisation de on. On ne dit pas et nous mangeons quoi alors? Non, mais on utilise on quand on parle. Bon alors, qu'est-ce qu'ils vont manger? Oh la vache! Comme ces tomates sentent bon! On va faire la même recette que ma mère, tu sais, avec des oignons, des blablabla, blablabla, blablabla. Oh la vache! C'est une expression très utilisée par les Français quand on est étonné, quand on est surpris, quand on est admiratif. Max décrit la recette de sa mère. Les oignons, blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Enfin bref, c'est une tuerie. Enfin bref, ça veut dire en résumé. C'est une tuerie. Ça veut dire « c'est très bon, c'est excellent ». C'est une tuerie. Pas de souci, moi ça me va. Pas de souci, ça veut dire « pas de problème ». C'est la même chose. Pas de souci, pas de problème. Moi, ça me va, ça veut dire pour moi, c'est ok, pour moi, pas de problème, je suis d'accord. Super! Max et Lily sont heureux, ils sont d'accord, ils vont faire de la sauce tomate. Dans le magasin, Max voit quelque chose. Waouh! Il y a Amélie Poulain en DVD! J'aime trop ce film! Il est en promo! On n'a qu'à le prendre du coup! Waouh! C'est ce qu'on dit quand on est surpris, quand on est admiratif. Waouh, super! Il y a Amélie Poulain en DVD.
Il y a, c'est la contraction de il y a. Il y a, en parlant comme un français, on dit il y a. Il y a Amélie Poulain en DVD. Et en fait, quand on parle comme un français, on contracte beaucoup de mots. Comme par exemple, j'aime trop ce film. Mais si on parle comme un français, on dit j'aime trop ce film. Et on enlève le E du ce. J'aime trop ce film. En fait, le E de beaucoup de pronoms, de prépositions et d'articles ne se prononce pas. Comme par exemple, ici. Quoi ? Tu veux de la bolognaise toute faite ? Le E de « de » ne se prononce pas. On dit « de la bolognaise toute faite ». Tu veux de la bolognaise toute faite. Ou ici, sérieux ? Était au courant que c'est plein de conservateurs ce truc-là ? Mais en réalité, on dit conservateur. Le E ne se prononce pas. Pareil pour non, mais laisse tomber. J'en mangerai pas ta bouffe. Le E ne se prononce pas. Ta bouffe. Et ici, c'est la même chose. Pas de souci. Moi, ça me va. Pas de souci. Pas de souci. On ne prononce pas le E. Pas de souci. J'aime trop est aussi beaucoup utilisé dans le langage parlé. J'aime trop, qui veut dire j'aime beaucoup. Il est en promo. On n'a qu'à le prendre du coup. Dans le langage parlé, on coupe beaucoup les mots. Par exemple, là, au lieu de dire « promotion », on dit « promo ». Du coup, c'est aussi une expression qui est beaucoup utilisée dans le langage parlé pour dire « alors », en conclusion. Il n'est pas cher, alors on décide de l'acheter. Il n'est pas cher, on le prend du coup, on l'achète du coup. Maintenant, une expression que beaucoup de Français utilisent, c'est... Oh là là ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'on est bien là ! Oh là là, c'est une exclamation pour dire qu'on est heureux, qu'on est content. C'est le bonheur! Oh là là est aussi utilisé quand on est triste. Par exemple, là, Lily est triste. Oh là là, Lily a beaucoup de travail. Oh là là! Bon, on a appris beaucoup de mots et d'expressions pour parler comme un français. On a vu que quelques astuces et expressions. Est-ce que tu veux en apprendre plus? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like. Inscris-toi à ma chaîne YouTube. Would you like to watch more videos in French? Subscribe to my website and you will receive videos in French for more than 2 hours. Des 7 secrets pour apprendre le français or the 7 secrets to learn French. To immerse yourself in French plus the transcription in French and the translation in English. And it's free! Thank you for watching Français Immersion TV. À bientôt !